Et tiens! Glacier! 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 Bonjour, c'est Yoplay, bienvenue dans le chapitre 16 de notre Let's Play sur Kingdom Hearts. J'espère que vous allez bien, mes petits amis. On est de retour, comme vous pouvez le voir, au Colisée de l'Olympe. J'ai précédemment d'ailleurs débloqué une marque qui était à l'extérieur, que j'avais oublié, qui se trouvait près des différents panneaux d'affichage. J'en ai profité aussi pour cette petite option qui nous permettait d'éteindre ces flammes qui étaient tout autour du Colisée. Je les ai éteintes, donc du coup, avec le Glacier Plus, ce qui nous a permis d'avoir, je crois, du mithril. Peut-être que vous le verrez dans une courte vidéo, une courte séquence, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui était option à l'extérieur du Colisée. On va dire que c'est fait, il n'y a plus que cette marque blanche encore, qui est encore pour nous indisponible. J'avais envie de revenir ici tout simplement pour tester une nouvelle fois la coupe Pégase. On sait qu'à la fin, il y a Léon et Yuffie à battre, donc ça va être, à mon avis, un peu chaud. J'ai augmenté un petit peu mes stats, alors depuis qu'on les a combattus la dernière fois, hein, c'est-à-dire qu'on avait fait quand même Atlantica avec la petite sirène, donc on a monté tous à peu près d'un level. On va essayer donc d'aller les battre, et donc pour ça on a, comme d'habitude, 10 matchs à faire. Donc on est parti, mes petits amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment content de vous retrouver ici, et on va faire une courte ellipse ou une vidéo un petit peu plus rapide peut-être pour ce passage. Et on se retrouve à la première place si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Oh yeah, c'est géant, Hercule dans le vent. Allez, grâce, on chante qu'il est le plus grand. C'est un pro, l'Apollo du show. Un monstre sacré qui met tous les monstres KO. Gladiateur, c'est Hercule qui est le seigneur toujours vainqueur.
Allez, donc on est parti cette fois avec le vrai match. On va pas faire semblant. Allez, on va essayer de taper très vite et très fort. Donc j'ai pas eu trop de problèmes pour le moment. Contrairement à la dernière fois où j'avais subi des dégâts. Alors je pense qu'il vaut mieux qu'on s'occupe d'elle avant parce qu'elle va nous causer de très grands problèmes. Ouais, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors attends. Laisse-moi. On va faire un rafale, tiens. Waouh. Là, on se débrouille très mal. Allez, il faut la taper, elle a tout pris. Allez. Une fois qu'elle est faite, on aura moins de problèmes. Wow. Alors, objet. On va prendre un éther. Et non, c'est pas vrai. Ah si, on l'a eu, d'accord. On va refaire un rafale. Ouais, on va se soigner parce que ça va très vite. Et elle, faut qu'on se débarrasse d'elle, c'est pas possible. Allez. Mais arrête de bouger, bon sang. Allez, on l'a presque. Elle s'est soignée, c'est pas vrai, la garce. Objet, on va prendre une potion plus. Et on n'arrive pas à la voir, c'est dingue. Allez. Ok, elle s'est fait. Waouh. Alors à lui maintenant. Alors là, ça va être autre chose. On va pouvoir souffler un peu. Rafale, c'est pas la peine. Je ferais bien un méga éther. Ok. Et c'est le moment peut-être de faire Aquilon. Waouh. Oh, il m'a dégommé là. Tu n'as aucune chance face à moi. Ah ouais, d'accord. Mais sérieux? Oh, la vache. Il fait vachement mal lui. C'est parti. C'est fini. Ok. Ça n'a pas servi à grand chose ce que je viens de faire. On va essayer d'attaquer purement et simplement. C'est bon. Ah la vache, fumier. Allez. Allez, on y est presque. On va se soigner un peu. Wow. Un petit rafale, ça aurait été bien là. On va se soigner. C'est bon. On l'a eu. Il n'était pas de tout repos ce combat quand même. Hein. Bon, on a gagné la coupe Pégase du coup. Et ça c'est plutôt cool, je suis assez content. J'en aurais quand même un petit peu bavé sur la fin. Le combat des 9 matchs a été plutôt facile. Mais le fait, la réunion de ces deux personnages, en fait, Yuffie et Léon, qui est vraiment très difficile, je trouve. Ouais, on est les champions. Ah, j'étais à fond dedans. Sora a pris Disco Bolos. Ok. Est-ce qu'il suffit d'être fort pour devenir un héros? Non! Ce qu'il faut avant tout, c'est un cœur fort! Ce qui rend le cœur fort, si tu le demandes, si tu n'es pas encore un héros. Arrête de parler par énigme. Ce n'est pas une énigme!
Ok, donc c'est pas fini. Alors, est-ce qu'il y a eu encore une autre coupe? Alors, on va pas y aller, mais on va quand même lui parler pour voir... Tu connais les règles, n'est-ce pas? Yes. Ok, donc, non, plus d'autres coupes disponibles. Et bah, ça tombe bien, mes petits amis. Car on va pouvoir, maintenant et dorénavant, aller visiter à nouveau un nouveau monde. Donc, on va se retrouver dans le... Ah bah non, c'est vrai qu'on peut pas passer par là. Suis-je bête? Suis-je bête? En tout cas, voilà, on a gagné le championnat Pégase. Et ça, c'est plutôt cool. J'en suis content. On a aussi gagné un level, des niveaux aussi. Donc, c'est plutôt bien. Je pense pas être vraiment à l'ouest au niveau des niveaux concernant notre étape. Donc, vous avez vu tout ce qu'on a débloqué jusqu'ici par le passé. C'est totalement incroyable. On a visité donc tous ces mondes. Puis, après, on est allé à Agrabah. On a eu une étape aussi dans Monstro, et la dernière fois, c'était dans Atlantica. J'avais bien galéré à Atlantica. Donc, je vous propose, mes petits amis, normalement, de nous retrouver à Agrabah. 2, 4, 6 étoiles ici, et ici, ça commence à être la fin ici. Hein. Quand on arrivera ici, ce qui devrait arriver très très vite maintenant, on devrait arriver à quelques vidéos près de la fin du jeu. Alors, on va aller à Agrabah en hyperespace. Et ça va aller très très vite. Hop là! J'aime bien la musique de... Malgré tout de... Quand on est dans l'espace comme ça, je trouve ça assez bien fichu. C'est assez rythmé. Malgré que le mode soit pas terrible, c'est assez rythmé. Donc choix du monde. Et je vous propose donc de nous retrouver en ellipse. À notre prochaine destination. J'ai une petite idée de ce que ça devrait être. Puisqu'il n'en a plus 36 maintenant. Et donc, à tout de suite! Allez, ça y est, on arrive donc dans la ville d'Halloween et je vous propose de découvrir ce nouveau monde ensemble et on descend. C'est parti! C'est vraiment un endroit lugubre. Je parie que les habitants sont effrayants. Pas de panique, on a l'air bizarre, nous aussi. S'ils essaient de nous faire peur, on fera pareil. Si tu le dis. Ok, donc c'est vrai que le design des personnages est absolument fabuleux. Dingo, il est totalement incroyable. Sora est vraiment pas mal non plus, et Donald aussi, finalement. Ils sont tous vraiment hyper beaux, hyper séduisants, y a pas de problème. Alors... Bon, la petite sauvegarde qui est là, donc on va découvrir d'un peu plus près ce qu'il se cache sur la place, visiblement, de la guillotine. Ok, des combats. On peut pas les attaquer, tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi on peut pas les attaquer? Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Et maintenant, laissez-moi vous présenter le maître de la terreur, le prince des cauchemars, Jack Skellington! Pour
Bravo, Jack! Bravo! Ces fantômes remporteront un franc succès au prochain Halloween! Merci à tous, merci! Mais ils doivent encore travailler leur chorégraphie. Ce n'est pas assez effrayant. Je veux déclencher une terreur qui glace le sang. Je vais aller consulter le docteur. Eh bien moi, je vais m'occuper des décorations. Ok, donc nous voilà donc dans le monde de Jack, la ville d'Halloween. Alors, on va parler au moustique. Bienvenue dans la ville d'Halloween, vous êtes effrayant à souhait. Pour notre ville, le festival d'Halloween représente tout, Jack. Et nous autres cherchons toujours de nouveaux moyens de faire peur aux gens. Donc je crois que c'est le drôle de Noël de... Comment ça s'appelle ce film-là? Créé par... Oh, j'ai plus les noms en tête, excusez-moi. Veuillez m'excuser, je me rappelle plus. Drôle de Noël de Jack... Ah, mais comment ça s'appelle? C'est pas possible, je vais être obligé de regarder mes petits amis parce que ça me perturbe, là. Oui, c'est ça, c'est le film de Mystérieux Noël de Monsieur Jack. J'ai pas trop... je vous avoue, j'ai jamais vraiment trop regardé ce film. Je sais juste que Jack Sparrow, Johnny Depp... Oh, le lapsus. Ça va aller ce matin, ça va aller. C'est le matin, c'est normal, je suis pas encore assez bien réveillé. Johnny Depp incarne la voix de Jack, dénommé Jack. Donc c'est une ville spécialement pour faire peur. Donc on va essayer de visiter tout ça. C'est un monde que je connais juste par le biais de Kingdom Earth, mais pas plus. Ça m'a jamais vraiment attiré, bien que esthétiquement ça soit vraiment joli. Je ne comprends pas. Peut-être que le système de guidage a été endommagé durant l'explosion. Ridicule, mes appareils sont toujours parfaits. Ça y est, j'ai trouvé. Oui, bien sûr. Les sans-cœurs ont besoin d'un cœur. Docteur, pensez-vous qu'on puisse ajouter un cœur à cet engin? Certainement, faire un cœur n'a rien de compliqué. Allons-y, mettons-nous au travail. Pour fabriquer un cœur, prenez d'abord une boîte munie d'un cadenas. Mais avant, nous avons besoin de la clé. Tu vas vraiment l'ouvrir? Pourquoi pas, s'ils réussissent. Ils n'auront plus à combattre les sans-cœurs. Et puis, j'aimerais bien les voir danser. Pas toi? Pas vraiment. Bigre, c'était formidable! Vous êtes? Sora! Bien joué, Sora! J'aimerais que tu participes au prochain Halloween. Que fait ce sans-cœur ici? Oh! Les sans-cœurs viennent tout juste d'arriver en ville. Je suis frustré de ne pas pouvoir les faire danser avec moi. Donc, le docteur et moi essayons d'améliorer le système de guidage. C'est un véritable génie. Très bien, docteur, continuons. Les ingrédients pour un cœur sont... Le pouls, l'émotion, la terreur, la peur, l'espoir et le désespoir. Mélangeons bien le tout et nous obtenons un cœur. Peut-être des ingrédients. Ajoutons un peu de mémoire. Sally? Sally! Elle n'est jamais là quand il le faut. Je me demande pourquoi je l'ai créée. Sally a la mémoire dont nous avons besoin. Il faut absolument la retrouver. Pas de problème. Sora, voudrais-tu m'accompagner? Ouais.
Alors, cette fois-ci, on va le mettre à la place de Donald. Je crois que c'était Dingo qu'on avait laissé la dernière fois, il me semble. Allez, à la place de Donald. Hop. Qu'est-ce qu'on fait, là? Non, alors, attends. On va faire comme ça, et... ça ira mieux. On valide. Donc, Jack nous accompagne. J'aime assez bien la manière qu'a cette histoire, en fait. Les mondes Disney sont toujours, on va dire, réarrangés pour convenir à l'histoire principale de Kingdom Hearts, mais ils en gardent quand même l'essence, et ils sont pas trop, vraiment trop modifiés. Je trouve ça vraiment plutôt bien fichu, en fait. Une page déchirée, tiens, ça va nous aider pour prochainement retourner voir Winnie l'ourson. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut aller voir Sally. Sally doit avoir la mémoire qu'il nous faut. Mais elle n'est pas encore rentrée. Où est-elle passée? Ah, ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est à nous d'aller la chercher. Et on fait des sauts incroyables! Ok, allez, on est parti. Donc j'imagine qu'on va avoir pas mal, encore une fois, de sans-cœur à combattre dans ce 16e chapitre. Jack, la situation est critique. Les sans-cœurs sont incontrôlables. Nous n'arrivons pas à les arrêter. Serait-ce la faute de notre expérience? Mais ça va aller, monsieur le maire. Ne vous inquiétez surtout pas. Donald qui n'a pas l'air vraiment très très content du truc, hein. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est monsieur le maire, lui. Les sans-cœurs sont incontrôlables, ils vont gâcher le festival. Bon, bah on va aller les voir, on va leur mettre une petite fessée. Petite leçon. Allez, c'est parti. Donc je voulais peut-être pas forcément montrer en vidéo, mais... j'ai acquéri de nouvelles compétences, et notamment un espèce de combo en l'air, aérien. On pourra le voir peut-être tout à l'heure, je vous le montrerai. Si j'y arrive, bien évidemment. C'était déjà un petit peu le cas d'ailleurs dans Hercule, hein. On a peut-être pu l'apercevoir. Alors là, je suis complètement paumé, il faut aller où ici? Alors, on est arrivé d'où déjà? Je crois qu'on est arrivé de par là. Non, c'est pas du tout. Rue des Lampions. Si, je crois qu'on est arrivé de là-bas. Donc, on va refaire un petit tour. Est-ce qu'il y a des... Ah, il y a des sans-cœurs ici. Ouais, donc les combos commencent à être vraiment... En tout cas, nos combos commencent à vraiment être très forts. Alors ici, il y a quoi? Ici, il n'y a rien à part une grosse vilaine tête. Ça marche. Je pense que pareil, à la ville d'Halloween, on en a pour un bon moment, au moins deux vidéos. Donc on clôturera peut-être tout ça, je l'espère, dans la prochaine. Ça, c'est un espèce de sort à la gravité, un truc comme ça, c'est pas moi qui l'ai, c'est Jack, qui a l'air plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'il faut faire ici, mais bon, c'est une petite baraque. Est-ce qu'il y a une marque au sol ou un truc? C'est bizarre qu'on puisse monter là et qu'il n'y a rien à faire. Ok, bon, c'est pas grave, on va continuer. Cours du laboratoire, donc de là on y vient. Là il y a une espèce de baraque, une maison. Ça c'est quoi ça? On voit rien. Alors. Ah, la caméra qui refait n'importe quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Tirez. Ok, sympa. C'est tout. Ok. Ah, un coffre ici. Voilà. On ouvre. Ah, des dalmatiens. Cool. On va pouvoir retourner d'ailleurs à la ville de travers, je pense, incessamment sous peu aussi. Donc on a la page déchirée. On a retrouvé des dalmatiens. On va peut-être avoir des choses en cadeau, peut-être. Je ne sais pas. Alors, justement, ça, on peut pas forcément l'ouvrir. En tout cas, il y a encore des sans-cœurs ici. C'est assez light pour le moment, je m'attendais à un petit peu plus fort, mais ça va. Allez. Alors ça c'est quoi ça? Ok, ici on peut rien faire du tout. Ça marche. Et là-bas on récupère là où on vient d'arriver. Ok, ça roule. Donc... ici, rien à faire non plus. On peut pas tirer, on peut pas rentrer.
Donc j'imagine que la suite se trouve ici. Ah, on arrive dans le cimetière, ça marche. On devrait aussi inspecter le cimetière, mais il faut d'abord chasser les sans-cœurs. Il y a des sans-cœurs encore une fois ici. Ah, c'est joli avec la vue tout ça. Je me rappelais plus trop de cet endroit. Alors. Ouais, les sans-cœurs sont assez light pour le moment. Hein. Vraiment pas grand chose. Encore ici. Ah, c'est chiant quand ils disparaissent. Alors, il est où? Ça y est. Ici. Et bim! Ok. Ensuite, faut aller où? Oh, il y en a encore! Ah, donc voilà les sans-cœurs de ce monde. Apparemment, ils sont déguisés aussi. Un peu à la manière de Donald, d'ailleurs. Ouais, voyons les bonus. Ok, lui, c'est bon. Bon, je pense on leur a réglé leur compte. Zéro, aurais-tu vu Sally par hasard? Ah! Il y a un problème, Jack? Non, tout va pour le mieux. Nous allons fêter le plus incroyable des Halloween. On a simplement besoin de ta mémoire. Mémoire? Tu parles de ceci? Jack, j'ai un très mauvais pressentiment. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Rien ne presse. Rien ne pourra surpasser ce que j'ai prévu. Dès que nous aurons doté les sans-cœurs d'un cœur, ils danseront comme je l'envisage. Fais-moi confiance. Tu vas adorer ça. Alors sa mémoire, c'est visiblement une espèce de brindille d'arbre ou de je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut lui parler à Sally? Jack, pourquoi ne pas plutôt prendre ces gamins pour le festival? Ils sont effrayants et drôles aussi. Ils sont mieux que les sans-cœurs. Elle a raison. Jack est un petit peu trop avare, j'ai l'impression. Ok, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc j'imagine qu'il faut donc rapporter cette fameuse mémoire. Et tiens, bah toi, pourquoi t'as disparu là? Arrête de disparaître. Ok, bon. Ça marche. J'imagine qu'il faut rapporter cette mémoire au docteur. Gam! Vous avez entendu ça? Ouais, j'ai entendu. À cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais t'es vraiment un crétin! C'est évident! On le dit à Oogie Boogie! Donc on vient de rencontrer Astram et Gram, qui sont certainement les petites frappes donc, de ce monde, et qui vont aller voir apparemment Oogie Boogie, qui est certainement le méchant Disney de la ville d'Halloween. Allez, docteur. Voilà, c'est ça. Il ne manque plus qu'un ingrédient. Il faut de la surprise pour finir le cœur. Le maire doit savoir où en trouver. Un cœur! Ce vieux sac d'os de Jack fabrique vraiment un cœur! Ça me convient parfaitement. Quand je mettrai la main sur ce... Enfin, je n'ai pas de main, mais je vais quand même m'emparer de ce cœur et contrôler les sans-cœurs. Oh.
donc Oogie Boogie qui sait ce qu'on manigance. Alors, visiblement, faut retourner voir le maire, qui a une idée de ce... d'où peut se bien se trouver l'espèce de surprise qu'il recherche. C'est un monde particulier, quand même. Alors, où se trouve le maire aussi, c'est ça le truc. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on continue à gagner de l'expérience. Il est où le maire, là? Waouh! Allez, on va en finir avec eux. C'est pas très pratique dans cette version le Hakion. Hein. Je préfère vraiment la manière d'appuyer sur triangle dans le Final Mix par exemple. Je trouve ça un petit peu plus simple que là faut. Non, c'est pas très pratique. Ah, Jack qui augmente d'un level. Alors, est-ce qu'il faut tous débattre pour apercevoir le maire? Je ne sais pas. Alors, ils sont où les autres? Il est où le maire? Je veux voir le maire. Ah, c'est pas vrai. Moi, je veux voir le maire, là. Il est où, le Sainte-Mère? Pour du laboratoire. Bon, c'est pas là. Est-ce qu'il ne serait pas dans ce coin-là, le maire? Est-ce qu'il est retourné au cimetière, le maire? Où es-tu, maire, s'il te plaît? Je te cherche! Pas là non plus. Alors là, ça commence à se corser sévère quand même. De plus en plus de monde et ces créatures sont un petit peu plus fortes que les autres. Je cherche en tout cas le maire. Je ne sais pas du tout où il se trouve. Je n'ai pas la moindre idée d'examiner. Ouais, mais ça va pas nous aider, ça, à trouver le maire, je pense pas. Ouais, d'accord, mais non, je veux revenir en arrière, moi. Je veux pas aller là. En tout cas, pas tout de suite. Ok, donc il y a plein de combats partout, on va les éviter. On va essayer de trouver ce fucking maire. Voilà, ok, ça marche. Alors, on va revenir peut-être en arrière. C'est bizarre, il est où le bordel? Alors, rue des Lampions peut-être, qui se trouve pas là, non? Je sais pas, pourquoi j'ai dans la tête qu'il faut trouver ce maire, j'en sais rien. Parce que ça a été dit un petit peu plus tôt et j'imagine que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez pas mes petits amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça va commencer à faire beaucoup sinon le temps que je le trouve, etc, etc. Donc je vais voir ce que je peux faire pour le trouver rapidement et on se retrouvera certainement très très vite. Donc pour la suite de Kingdom Hearts dans le chapitre 17, on essaiera d'ailleurs de finir ce monde. Dans ce chapitre, on a fait pas mal de choses finalement ici. On avait quitté précédemment Atlantica, la ville de la petite sirène. On a remporté un championnat au Colisée de l'Olympe et nous voilà arrivés donc dans la ville d'Halloween avec notre ami Jack Skellington. Mes petits amis, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos elles sortent. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et si la chaîne vous plaît. Le petit pouce bleu qui me permet de voir que vous aimez le contenu que je vous partage. Et n'hésitez pas à revenir aussi sur l'aventure dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. On se retrouve donc très vite pour la suite de ce monde d'Halloween. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Allez, salut, bye.